Ça devrait être pas trop mal. C'est bon, chaton, toi? T'as fini ta vaisselle? Tu fais pas de bruit? Ouais, c'est ça. Hein? Je peux faire ma vidéo? Bah, de toute façon, je peux commencer quand même, chérie. Ouais. Hein? Mais non, mais je pense que ça devrait aller. Non, je mets ma vidéo. Ouais, t'es sûr, tu m'en veux pas, hein? Ouais, parce qu'après, faut que tu ranges les courses. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va très bien. Je reviens de course, donc nous sommes allés entre midi et deux. Donc comme d'hab, on a commencé par aller faire nos courses à l'Intermarché, à l'Aldi, et puis on est passé à l'Intermarché. Donc on a fait les grosses courses. Pour vous dire un petit peu, Aldi, on en a eu pour 88 €, et puis Intermarché, 46,70 €. Donc voilà, voilà. Donc je vais commencer. Donc j'ai trouvé à l'Intermarché une promo sur le mire. Et comment dire que nous allons arriver dans le grand froid, que je vais avoir plein de pulls à laver et que du coup le mire laine va être de rigueur. Donc j'en ai pris deux. Et ils étaient en promo à moins 70 %. Hop, l'inter, j'ai pas pris énormément non plus, hein, mais bon, j'ai pris ce dont j'avais besoin parce que de toute façon, je fais toujours mes courses à l'Aldi en premier. J'ai repris deux cappuccinos. J'ai repris 4 litres de lait. Donc j'en ai repris 4. J'ai pris du quinoa de chez Tipiak parfumé. J'aime beaucoup ce genre de produit. J'aime beaucoup. J'ai repris aussi à l'Intermarché une promotion. Je crois que c'était deux achetés. Le troisième, le deux achetés, n'importe quoi. Un acheté, le deuxième à moins 68 %. Et donc c'était le fromage à tartiflette de chez Hermitage. Donc voilà, voilà. Hop, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je suis passée au rayon poissonnerie aussi. J'ai repris des crevettes. Elles n'étaient pas chères du tout. Que je ne dise pas de bêtises. 6,49 € le kilo. Et là, je me dis que j'aurais dû en prendre plus. Voilà, voilà. Parce que là, du coup, j'ai pris 300 grammes, mais ça va très vite, 300 grammes de crevettes. J'ai repris également du saumon qui était à 13,95 € le kilo. Donc on est 350 grammes. Hop, et j'ai repris aussi de la menthe bio pour l'intérieur de la maison. Enfin pour l'intérieur, pour mes plats, hein. On est d'accord, mais... Et j'ai repris de la ciboulette. Voilà, voilà. Donc pour Inter, si je ne me trompe pas, j'ai fini. On va passer à l'Aldi. Donc Aldi, en boisson, j'ai repris Chardonnay. J'ai repris également du Coca. Enfin, j'ai repris. C'est rare qu'on achète du Coca. On aime bien de temps en temps, mais voilà. J'en ai pris, hein. J'ai pris une bouteille, il y avait plus que des bouteilles de 2 litres. Dans le rayon pain, viennoiserie, j'ai repris des cookies au chocolat au lait. C'est la première fois que j'en prends. Mais ils ont l'air moelleux quand même, donc bon, à goûter. Pour demain matin, j'ai pris des croissants au chocolat. Et parce que j'ai pas mangé à midi et qu'il est 16 h 05, je me suis dit je vais me prendre une petite, alors ils appellent ça une fozza. Bon, comment on appelle ça, chérie? C'était hein? Ouais,
Enfin, c'est du fromage avec du pain, du fromage et puis du gruyère et des lardons, quoi. Voilà. Ça c'est plus diététique, hein, mais c'est rapide et je vais manger vite après ce petit retour de course. Donc, pour continuer, j'ai racheté dans le rayon charcuterie. J'ai pris. Je fais tout tomber. Donc voilà. J'ai pris saucisson de jambon pistaché. Voilà. J'ai pris filet de bacon. Et j'ai pris également du pâté en croûte qui est en date courte. Donc date courte, donc c'est un pâté en croûte avec des morilles et de base il est bon jusqu'au 14 novembre, donc jusqu'à demain. Ça va se garder. Hein. Donc voilà pour tout ce qui est charcuterie. Si je continue avec le fromage. Bon, le fromage, je pense que vous avez vu maintenant mes retours de course. Il n'y en a jamais un, il n'y en a jamais deux, il y en a toujours plusieurs. Hein, voire 3, 4. Donc déjà, Intermarché, vous avez déjà vu, j'ai deux fromages à tartiflette. Deux. Là, on continue avec un Morbier. Raclette en tranche. Plus un Époisse. Tome de montagne. Un Camembert et un Coulommiers. On est resté sur les deux pour du président. Voilà. Je crois que c'est tout. En fromage. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais passer à ce qui est viande. Viande, j'ai pris 2 magrets de canard à la fleur de sel. Hop. J'ai pris également un rhum steak à rôtir. Et j'ai pris une palette à la diable. Alors, palette à la diable, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas mangé. Non, mais je crois que ça se compte en dizaines d'années. Hein, puisque la dernière fois, je crois que c'était notre premier appartement quand on s'est rencontrés, chérie. Donc, ça va faire 14 ans. Bon, bah voilà, au bout de 14 ans, j'ai repris une palette à la diable. Tout ce qui va être chocolat, etc., j'ai repris. Enfin, nous avons repris. Enfin, non, il a repris. Chocolat raffiné. Donc, les amandes. On a du blanc noisette également. Et pour finir, un blanc amande. Et moi, j'ai repris à Inter des Kinder Maxi. Hop. Il y a également 1 kg de sucre. Il nous en reste 1. Mais bon. Voilà. C'est jamais perdu. 2 pâtes feuilletées. Et puis. Ah bah ça, je ne l'ai pas dit, je crois. Crème fraîche. Crème fraîche d'Issigny. Elle est, je l'aime beaucoup celle-ci, crème fraîche d'Issigny. Six œufs frais, donc j'en ai pris 12. Voilà, voilà. De la Belle Rouge. Alors, hors alimentaire, nous avons des piles, oui, parce qu'on n'a jamais, voilà, on a tout le temps besoin de piles avec toutes les guirlandes électriques à la maison. Donc, des piles. Également, des pansements pour les ampoules. Ça sent la reprise hein, du 1er décembre. Et elle se dit qu'elle va avoir mal aux pieds toute la journée au boulot. Donc, des ampoules. Non, on va éviter d'avoir des ampoules, mais au cas où, j'aurai les pansements pour. J'ai repris pour mes petits chatons adorés. Félix, tendre filet. Donc ça, j'avais donc du poisson, sélection de la campagne, donc bœuf, poulet. Et puis sélection de poisson. Et là, il y avait donc cabillaud et saumon.
je pense qu'ils vont être contents et qu'ils devraient aimer ça. On verra bien. On va passer maintenant aux légumes, fruits et légumes. Donc là, je me rends compte qu'il y avait des trucs que je pense que j'ai pris à Inter. De toute façon, j'ai pris que ça à Inter. Ouais, donc, ce que j'ai pris à Inter, c'est les bananes. Et les poireaux? Oui, et les poireaux. Donc j'ai repris deux poireaux. À l'Aldi, j'ai pris... Hop, en tout 2 kg de courgettes. J'ai pris 600 g de tomates grappes. Donc j'ai pris les bio. J'ai pris... Ah, voilà, si j'ai fait tomber. Des citrons verts. Hop. J'ai repris 3 poivrons rouges. Et j'ai pris également des clémentines. Je vois mon mari qui a envie de me dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont pas rouges, les poivrons. Des poivrons. Ah oui, ils sont pas rouges. Bon, des poivrons tricolores. Rouge, jaune et vert. Je crois que je vous ai tout montré, il me semble. Attendez, je vérifie. Mais ouais, ouais, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et c'est déjà pas mal, puisque en tout et pour tout, j'ai dit combien, chérie? 135 euros de courses. Donc voilà, on avait fait des petites courses il y a... Enfin, c'est vraiment des petites courses. J'avais juste racheté du cappuccino. Enfin, vraiment deux, trois petites choses. Je crois que ça devait être la semaine dernière. Si je me trompe pas. Hein, c'est ça, chérie, ou pas? Oui, tu confirmes? C'était la semaine dernière, c'était pas en début de semaine? Ah, tu sais plus, toi non plus. Hein. Bon, bref, il n'y a pas très longtemps, effectivement, mais on n'avait vraiment pas ramené grand chose. C'est juste parce que le dernier retour de course que j'ai fait, j'avais complètement zappé mon cappuccino. Et moi, sans cappuccino, c'est la fin du monde. Donc voilà, j'ai besoin de mon cappuccino Nescafé le matin. Donc voilà. Donc du coup, normalement, là, j'ai repris deux cappuccinos. Je pense qu'on ne devrait plus y retourner. Peut-être si pour la promo des crevettes, peut-être que j'y retournerai peut-être à l'Inter. S'ils font là encore la promo sur les crevettes, je verrai. Du coup, il me reste quand même en légumes, il me restait donc deux poireaux. Il me restait également mes endives, parce que j'ai toujours pas fait mes endives au jambon. Qui vont être faits ce soir. Donc je vais faire dans un plat à gratin donc endives au jambon et un autre côté uniquement mes endives sans jambon puisque je vais me faire mon saumon pour ce soir. Donc voilà, je crois que vous connaissez toute ma vie culinaire de la soirée. Bon bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous parce qu'il me reste encore tout ça à ranger et à réorganiser dans le frigo. Et puis, j'ai encore pas mal de choses à faire. J'aimerais me sortir de mon linge qui est une catastrophe. Donc voilà. Et puis je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.